après. Non, ça le réveille. Bah grosso modo ils ont fait comme mon premier genou. Ils ont pris un montant d'or rotulien, ils ont creusé des tunnels dans mes os pour aller chercher le croisé. Et ils ont inséré le tendon rotulien dans les os, je crois. Ils m'ont greffé le tendon rotulien avec le croisé pour le recoller. I think so. Maintenant je sais que ça rattaque, je vais refaire de la réduction, je suis parti pour de ville. Et voilà, je suis sur le chemin du retour. Ville pour la première phase. En fait, la rééducation, ça se passe en trois phases. Il y a la première phase où on commence vraiment tranquillement à retrouver des sensations, à bouger un peu le genou, à marcher avec des béquilles. Après, la deuxième phase, on rattaque la proprioception, donc l'équilibre et tout ça. Et la troisième phase, ben, on rattaque à faire du sport. Donc à courir, à faire un peu de muscu, etc. Et puis après, à 6 mois, c'est en gros c'est la reprise de l'entraînement de façon très progressive, de 6 à 8 mois pour arriver entre 8 et 10 mois à la compétition. En sachant qu'on ne peut pas brûler les étapes. Ne rien faire aujourd'hui, c'est une erreur. Pour tout, en se disant j'attends 6 mois, ça ira mieux, c'est pas vrai. Il faut que ce soit des choses qui soient très progressives. Donc, je suis ultra motivé, j'essaye de faire la réduc au maximum, rien laisser au hasard, faire tout ce qu'on me dit pour déjà pour mettre toutes les chances de mon côté pour revenir au top, quoi. C'est reparti, c'est l'été et là on est à mon bachelor pour un entraînement de pipe avec un airbag en bas, donc c'est super, on peut le mettre à gauche et à droite, il est juste là et ça va me permettre de bosser les doubles corps pour que ça soit parfait cet hiver, c'est l'objectif de ce petit entraînement à mon bachelor, voilà. As soon as you not let your feet going high, it's not good. Ramène les genoux à toi. C'est ce qui va te faire faire ta robe de double tout le temps. Ben là, Xav, il regarde sur l'instant ce qu'il fait. Comme ça, il peut se rendre compte de ce qu'il faut qu'il modifie, quoi. Donc là, il lui manque du shoot avec les pieds. L'été, on profite de cette période pour tester du matériel. Donc Rossignol m'a fait 3 paires de skis avec donc des matériaux à l'intérieur qui sont différents. Et l'objectif, c'est de voir quel ski est le mieux pour le pipe. Donc je leur ai demandé quelque chose pour avoir une restitution de l'énergie en bas de la courbe pour que ça me donne de l'élan et qu'il y ait un peu de pop dans le ski pour que justement ça continue, que ça ait envie d'aller de l'avant. Donc c'était ça l'objectif et là, je suis en train de tester les skis. Après les trainings, on enchaîne nos après-midi en faisant du foot, du tennis, du vélo, du golf aussi, parce que Greg est super bon au golf, il nous apprend bien comment jouer, comment taper dans la balle, donc c'est assez sympa. On a aussi notre programme physique qui est un petit peu moins drôle, mais bon,
on s'y fait, on respecte tout et on fait le tout en se marrant. Qu'est-ce que t'as changé là, au Trix ? J'essayais de partir vraiment en arrière comme ça, mais du coup j'étais désolidarisé entre haut et le bas du corps. Et là je pars vraiment plus d'un bloc depuis le bas, et du coup ça me laisse monter les jambes. Du coup je suis bien mieux et bien plus à l'aise en l'air.